les petites courses. Bar épicerie du coin. Yes. Où tout le monde vient prendre son petit café le matin, chercher son morceau de pain, son poulet, ses clopes. C'est des fournitures diverses. C'est la vie. C'est rigolo. Et ben voilà, ça fait quoi, 20 minutes même pas qu'on est parti. On se retrouve. On a déjà bien chaud. Oui, ça, on a déjà bien chaud. Et on est dans un lit de rivière. On est sur la trace, hein. Ouais, on est sur la trace. Bon, il a pas plongé, mais il s'est un petit peu allongé dedans, quoi. Ouais, c'est bon, je l'ai filmé, hein. Ah, ben voilà. T'as plus regard, je te fais une blague. On n'arrête pas ces petits ruisseaux, ou un peu plus gros des fois. On les a traversés combien de fois? 15, 20 fois déjà? Ouais, c'est ça, c'est l'ordre de la dizaine, plus de dizaine, ouais. Et, bon, y a rien de compliqué, hein, mais... C'est la navigation qui est fatigante parce que le terrain il arrête pas de changer, tu passes dans du sable qui glisse légèrement, il n'y en a pas eu beaucoup ça. Des grosses pierres, tu perds la piste de vue, tu sais pas où t'es parce que c'est quand même super large. Voilà, on va quand même. Faut prendre le coup quoi. Mais c'est vachement intéressant en même temps. Le support est un peu fatigué, hier on a mis du gaz à la tablette, elle a fait « Yaha ! Je suis libre !» C'est surprenant. C'est épatant, on vient de sortir du lit de rivière, on a fait 10 km d'impro complète. C'est un peu plus de 30. Ouais, à 30 depuis qu'on est parti, mais bon, ouais, dans le fond du bordel, 15 km de canyon. Il y avait heureusement un filet d'eau dans lequel j'ai pu me tremper, je pense que... voilà. Et au sorti d'une piste défoncée, on arrive sur une place pavée, remplie de café, dont le nôtre. Alors donc maintenant, on se fait plus avoir, on va dans celui où il y a tous les locaux. Et c'est complètement top quoi. Alors, c'est vrai qu'on est dimanche, il y a tout le monde en train de passer un bon moment. Et nous aussi on passe un très bon moment. L'état des bécanes quoi. Elles sont blanches. Et maintenant c'est de la poussière. Bon. Elles sont pourrites. Pas de poissons, bah, ils ont peur. Ils avaient tellement pas de flotte tout à l'heure qu'ils étaient obligés de se mettre sur le côté pour avoir la tête dans l'eau. Ok, à la vôtre. Un grand serpent ouais. Coucou Bichette. Nous avons trouvé l'eau! Ouais! C'est bon, 30 degrés aujourd'hui! Ouais, ah, c'est chaud, hein! Une petite
pose drone pour vous faire voir les magnifiques paysages de l'Albanie. Sont bien gardés. Putain les mecs. Les mecs, c'était encore une putain de journée. Petite descente sympathique avec un échange de motos pour que Thomas réessaye. Oui, il faut toujours échanger ses motos parce que les suspensions de Xavier étaient mieux réglées que les miennes. Et donc j'ai mis 10 clics de moins dans mon hydraulique et c'est beaucoup plus confortable tout de suite. C'est bien, il a fallu attendre 2 semaines pour que je règle mes suspensions, c'est bien. Des panoramas de... Des paysages de malade. De dingue. Avec des surfaces sur les flancs de montagne que j'ai jamais vu, un gris brillant. Je sais pas ce que c'était. Voilà, c'est magnifique. Pourquoi on était moins haut? Parce qu'on est monté qu'à 1100 aujourd'hui. Ouais. Ouais, et ouais, ouais. Des reliefs de ouf, c'est... Enfin bref. C'est ouais, visuellement c'est fantastique. On a rencontré des Français. Ouais. On a rencontré 2 Hollandais, dont un joli petit... Châssis sport. C'est ça, un châssis sport. Et voilà. C'est ça le problème quand on parle pas la langue, c'est que bah, tu commandes un plat, puis t'en as 4. Le petit est revenu. Voilà, c'est ça. Moi qui pensais maigrir. Et je suis ton pote maintenant, c'est ça?